Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de vlog. Je m'appelle Min et je suis parti à Hanoï pendant 10 jours. Hanoï, c'est la capitale du Vietnam et c'est aussi la ville dans laquelle je suis né. C'est aussi la ville dans laquelle j'ai le plus de famille et d'amis. Donc j'ai passé 10 jours intenses. J'ai pas arrêté de voir des gens, d'aller manger plein de choses. Et d'ailleurs, je pense même que j'ai un petit problème d'estomac parce que j'arrête pas d'avoir mal au ventre. En même temps, j'ai pas arrêté de manger dans la rue, donc c'est inévitable. Alors j'ai été très mauvais en vlog pendant ces 10 jours, simplement parce que je voulais profiter du moment avec les gens que je rencontre et aussi des moments que je vis. Donc j'ai quasi pas filmé. J'ai filmé que des séquences où je mange et en re-regardant toutes mes vidéos, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces vidéos de food? Donc j'ai pas encore fait le montage de ce vlog, mais ça s'annonce compliqué. Par contre, pendant ce séjour à Hanoï, j'ai fait un truc exceptionnel, c'est que je me suis fait un tatouage en commun avec une amie. Donc vous allez venir avec nous pendant cette séance de tatouage. Peut-être que vous devrez vous préparer un petit truc pour grignoter devant ce vlog parce que ça va vous donner faim. Le premier truc que j'ai fait en arrivant à Hanoï, c'était de me faire une petite beauté dans un salon de coiffure coréen. D'ailleurs, je suis sorti un peu trop K-pop à mon goût. La couleur, j'adore. La coupe, quand j'étais petit, j'étais nul en maths et quand on est le fils de mon père, il n'y a pas le droit. Donc pour remédier à ça, mon père a demandé à une tutrice de venir m'enseigner les maths. Et ça paraît fou, même pour moi, mais je suis resté ami avec cette tutrice. Et à chaque fois que je reviens au Vietnam, on se voit. Et la tutrice en question m'a invité à manger un bún cha. Bún cha, c'est un plat traditionnel hanoïen qui est à base de vermicelle et des boulettes de viande grillée. Super bon. Un plat que je conseille à tous les étrangers qui viennent au Vietnam. Après avoir bien mangé, nous sommes allés prendre un café. Et la particularité de ce café, c'est que l'activité principale était pas vraiment de boire, mais de colorier des petites statues. J'ai choisi de colorier un petit chat trop mignon, un chat porte-bonheur. Et vraiment, je pense que j'ai tout donné. Ils ont jamais vu quelqu'un s'appliquer autant dans la mission, je pense. Le résultat, évidemment, est incroyable. Et c'est pas pour être méchant, hein, mais si on compare à l'œuvre de ma tutrice, on peut clairement dire que j'ai un petit truc en plus, genre un petit talent quoi. Alors juste un petit bémol dans cette activité, on s'attendrait à une petite musique douce, d'ambiance... Non. Non, 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 non. Pour contrebalancer, parce que sinon les gens vont dormir enfin, on va mettre une grosse musique de boîte. Hello, aujourd'hui je vais aller me faire tatouer avec ma pote Phuong Anh qui vient de Paris aussi. C'est la première fois qu'on est au Vietnam en même temps et on a décidé de célébrer ça en faisant un tatouage en duo. Donc elle va se faire ça et moi je vais me faire ça. C'est un duo des dessins traditionnels vietnamiens qui représentent le succès et la richesse. Elle devait venir me chercher à 8h30, il est 8h20, j'ai aucun signe de vie. Normalement on va aller déjeuner ensemble, enfin petit déj. On a rendez-vous à 11h pour le tatouage. Et puis après, on va aussi manger à midi ensemble. Ah, ça y est, je viens d'avoir un message qui dit « Je suis à l'heure ». Donc, je vais descendre. À tout de suite. C'est une sorte de ravioli, un rouleau à base de riz, quoi. À base de riz. Et il y a du porc dedans et moi c'est de la crevette. Par contre moi je mange pas ça. Tu veux? Ouais, vas-y. Et ça c'est du pâté de porc. Ça
crevette, c'est super bon. Par contre, ça, il le coupe trop gros. On est à mon café préféré au Vietnam, c'est une chaîne qui s'appelle Camp Café. C'est un peu comme Starbucks, mais en beaucoup mieux. Trop bon ça. Moi j'ai pris un no game, ça c'est genre un pâté. Marron crème. Ouais. Moi je sais pas ce que j'ai pris. C'est quoi? C'est cha lam, non? Cha lam, c'est quoi? C'est un dessert typiquement vietnamien, mais je sais pas ce que c'est. Okay. C'est un peu comme un crème brûlée en fait. Il y a un sucre dessus, on dirait du crème brûlée. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Vraiment trop bon. Alors, Fongan, t'es stressée pour ton deuxième tatouage? Non, ça va. T'es prête? Ah non, bah c'est là. Archie, viens. Là, tu l'as vu? Ouais. Là. Ça, c'est les nôtres. Ici, c'est Benoît. Là, c'est Foukoui. Succès, richesse. Un peu comme dans la vraie vie, finalement. Ouais, famous et richesse. C'est trop beau. J'ai flashé sur cette tatoueuse en la voyant sur Instagram, par hasard. Vraiment par hasard, parce que je sais pas comment j'ai trouvé. Oh, il est trop beau celui-là. Ouais. Tu vois, ouais. Hello, je voulais juste faire une petite parenthèse, on est à J+10 de mon tatouage, donc il a pas mal cicatrisé, il est trop beau, je suis fan de l'ensemble des dessins que cette tatoueuse fait. Je vous conseille fortement d'aller voir son Instagram et surtout si vous passez à Hanoï, c'est l'occasion de faire votre tatouage. Elle a un style très traditionnel vietnamien et ça, on adore. Aussi, c'était une expérience absolument fabuleuse parce que déjà, elle était très, très professionnelle. Elle nous a mis à l'aise tout de suite. Moi, j'étais tellement à l'aise que j'ai demandé à faire 4 fois mon dessin. Comme c'était sur ma peau, je voulais être sûr que j'arrivais à un résultat où j'étais vraiment satisfait. Et du coup, en fait, elle a dû redessiner le petit nuage en bas que vous voyez là. Enfin bref, elle était tellement sympa. Et aussi, elle avait 2 assistants. Donc moi, j'ai pas mal de tatouages déjà, mais j'ai jamais vu quelqu'un avoir 1 assistant. Et là, elle en a 2. Et à la fin, elle nous a donné plein de petits cadeaux en souvenir. Donc vraiment trop sympa, quoi. C'est quoi ça? C'est bún đậu mắm tôm. Ça, c'est du bún đậu mắm tôm. Ça, c'est du coup, c'est du
fermentation de crevettes, ça pue de fou. Mais on adore. On adore. Non, là, vous ce matin, c'est du street food, mais à la maison parce que je me suis levé trop tard. Là, je mange des fœtus de canard. En gros, c'est des œufs de canard, mais le canard, il est un peu plus mûr dans l'œuf et là, on le goût. C'est l'un des plats les plus gores du monde. Aujourd'hui, je vais aller manger avec des copines d'enfance. Donc, il y a Fungan que vous avez vu hier, avec qui j'ai fait le tatouage. D'ailleurs, il va trop bien. Donc, il y a Fungan que j'ai connu vers mes 15 ans. Il y a Bang que j'ai connu, je pense, vers 13-14 ans. Il y a Zin que je connais depuis qu'on a 6 ans tous les deux. 6-7 ans. Donc ouais, c'est quand même fou de se dire que j'ai quand même des amis que j'ai gardés depuis si longtemps. Et en plus, des amis avec qui on se fait des tatouages. J'ai la chance d'avoir une cousine qui connaît très bien Hanoï et qui m'emmène partout. Donc là, elle m'amène au spa. Là, elle m'emmène découvrir les friperies de Hanoï. Bon, j'ai pas filmé malheureusement parce que c'était vraiment trop bordélique. En tout cas, on n'a rien acheté, on n'a fait que manger dans la rue. Donc là, on a commencé par un dessert. Ce que je suis en train de manger, c'est du bánh chuối. C'est un dessert traditionnel à base de farine. C'est une grosse boule de tapioca farcie de pâte d'haricot à l'intérieur. On a poursuivi l'aventure culinaire avec des saucisses, clairement congelées. Sur des pierres qui me font peur en plus, et je vous assure, ce n'était pas très bon, c'était clairement beaucoup trop gras. Là, on continue dans les rayons de la friperie. On a été rejoint par une copine à elle, et clairement, c'était un coup de cœur. C'est vraiment une des personnes les plus drôles que je connais sur Terre. Et pour terminer la soirée en beauté, on part manger une fondue à l'escargot. Bon, ça sonne pas très glamour, mais regardez comment ça a l'air trop bon. Bon, c'est déjà la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a pas ennuyé. Je pense que je me suis très bien sorti malgré le manque de contenu. Mais bon, ça m'apprendra à mieux filmer les prochaines fois. En attendant les prochains épisodes, je vous invite à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse avec des images de notre déjeuner avec Zin avant que je parte pour Saigon. On est dans un restaurant avec des spécialités du centre.
Donc clairement, je ne peux pas énumérer tous les plats parce que je ne les connais pas. Ah oui, et je vous spoil aussi un peu, les deux prochains épisodes vont être fous malades. Donc, à bientôt.